Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, on fait un zoom sur la petite enfance avec Karine et Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éducatrice au CPE Le Oui. Champignon, Karine Gourde et Karine Bernard. Là, je ne sais pas qui est Gourde et qui est Bernard, c'est pas grave, OK? Là, on va parler, dans le fond, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler dernièrement, là, les maternelles 4 ans, le CPE, le maternel ou le CPE. Puis, je pense que vous avez des bons arguments, ça fait quasiment une heure qu'on s'en parle, des bons arguments pour me dire que, ben, finalement, je pense que je vais laisser mon enfant au CPE. Là, il y a des différents programmes au CPE Champignon, Brin d'Amis, Pâte le mille-pattes, Gazelle. J'aimerais ça qu'on les prenne un par un, puis qu'on explique brièvement de quoi il s'agit. Mais celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le programme En route vers l'école. Fait que, Karine, Oui, n'importe bien, laquelle, Brin d'amis, Brin d'Amis, c'est ouais, quoi? ça, c'est des habiletés sociales. Celui, je l'aime d'amour, là. C'est vraiment mon programme préféré, assurément, en fait, le deuxième, parce que l'école, je l'adore aussi. C'est de montrer aux enfants, tu sais, attendre son tour, c'est toutes des paroles d'enfants. Tu es dans ma bulle, Karine, parce que mes cheveux sont sur mon dessin. Je la trouve super intéressante. Puis ensuite, l'enfant doit faire un petit bricolage suite à la conversation qu'on a en groupe. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, donc on va faire des apprentissages au niveau des habiletés sociales. Social, Habiletés sociales, exact. on parle de partager, d'attendre son Partager, tour, exact. de dire merci, de dire s'il vous plaît, c'est tout ça, là. Exact. OK. De vivre en groupe, la Mais, gestion des émotions oui. aussi. La Je gestion dirais, des j'ai émotions. peur, je suis fâchée. Pourquoi? Parce que tu as enlevé mon jouet. C'est Comme grand, ce Brin d'Amis, programme. regarde, parce qu'on a des affiches qu'on met au mur après chaque atelier. Alors, regarde Brin d'Amis. Il est fâché, tu t'en souviens pourquoi? Parce que Patouf m'a enlevé mon jouet. Puis Ah! toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est plus facile. OK. Bon, Brin d'Amis. Pâte le mille-pattes. C'est un programme relié avec l'alimentation qui a été fait en lien avec une formation de nutrition aussi. Oui. À chaque mois, c'est un alimenté, exemple le pain, les œufs, les fruits. On a quelque chose qui arrive de la cuisine, exemple les pommes, pour diversifier les pommes, montrer aux enfants qu'il n'y a pas juste des pommes rouges, d'où est-ce que ça vient la pomme, On peut la et manger de façon compagnie. différente, Exactement. etc. Fait que sur chaque aliment qui passe dans Pâte le mille-pattes, il y a une histoire. C'est une histoire suite qui se suit de mois en mois avec Pâte la vedette, qui est un petit mille-pattes, qui a des amis qui Il n'est viennent pas nous aussi pré... populaire que Pat Patrouille, lui, par Non, contre. pas du... Non, beaucoup OK. moins. Mais tout aussi intéressant, Nous, par là, exemple. Nous, on on l'aime mieux, préfère oui. Pat le mille-pattes que Pat Puis là, il y a Patrouille. vraiment Pat le mille-pattes, il y a un apprentissage, puis ça, c'est en lien aussi avec ce que vous servez, La nutrition. ce que vous servez là, comme repas là, au CPE. Là. Puis je veux dire, la dernière fois, là, Maggie, votre directrice, était venue parler du balai de Oui. l'alimentation là, pour nourrir ces 180 jeunes qui fréquentent le CPE Champignon. Exact. Exactement. Et puis la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Gazelle, a été mise sur pied pour moi parce que c'est pour les gens. Non, non. C'est 15 minutes intensifs d'activité physique qu'on doit faire. Sauter sur un pied, sauter sur deux pieds, rouler. Vous faites ça dans vos locaux, là? Exact. On doit tasser tous nos chaises, nos tables pour faire une pièce vierge. Et puis, notre cœur, il faut qu'il bouge pendant 15 minutes. Il faut que nos joues viennent rouges pour apprendre aux enfants à comment bouger. Oui, c'est parce qu'on n'apprenait pas ça aux enfants, là, voilà une couple d'années, là. Oui, vous avez raison, mais avec les Moi, je tablettes. leur ai pas appris à bouger, les miens. Je leur ai appris à ne pas bouger. Oui, je comprends. Nous, aux champignons, ben c'est intéressant du nouveau programme, c'est de faire voir aux enfants qu'ils sont capables de bouger et de délaisser un petit peu la tablette, Internet, la TV, puis de se consacrer à aller jouer dehors, Ah à oui, prendre des le jeu marches. dehors. Et de Exact. bouger sans gros matériel qui coûte trop Ouais. cher non plus. Là, on peut Exact. faire une multitude d'activités avec un ballon à l'extérieur aussi, de conscientiser les enfants qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup aussi. Les jeux traverse-couleurs, comme dans le temps, là, tu sais, on La dit une couleur, puis là, on marelle, court, exact. oui, C'est super intéressant, Jandy, ouais. exactement. oui, c'est tous Sous ces toutes jeux-là ces qu'on ne variantes. connaît plus, Non, non. qui sont pas transmis. Ah, bon, vous avez de l'ouvrage, les filles? Oui. OK. Le programme En route vers l'école, ça, c'est vraiment spécifique au groupe des 4 ans. Oui. Donc, c'est l'année avant l'entrée à l'école. oui. Là, vous m'avez donné un beau document, là, ici, là. C'est le document que vous remettez aux parents avant que leur enfant rentre à Oui. l'école. Vous êtes fait partie du comité. Il y a toute une structure qui a été mise en place
pour accompagner l'enfant dans sa dernière année au CPE? C'est depuis 2016 que nous, au CPE Le Champignon, on fait ça, le programme 4 ans, qui s'appelle En route vers l'école. C'était une demande du CA initialement. Mm-hmm. On s'est penché en petite équipe pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux faire la transition du CPE à l'école avec justement nos enfants dans notre CPE. Ça a été des semaines et des semaines de travail, d'essais-erreurs aussi qu'on a fait. On s'est penché sur plein de niveaux de développement. Puis vers le mois d'avril, on rencontre le parent 30 minutes par enfant pour que le lien se fasse avec le milieu scolaire aussi. Là, bon, il y a 180 jeunes au CPE Champignon. Il n'y en a pas 180 par année qui vont à l'école, non. Mais il y en a à peu près combien? C'est le ratio, c'est 10 enfants pour le groupe des 4-5 ans. Fait 10 que enfants. C'est environ 70 enfants. Oui, 70 enfants par année du CPE qui vont partir du CPE et qui vont s'en aller à la maternelle. Oui, 5 ans. Sa maternelle 5 ans, exact. Oui, c'est ça, on va le mentionner, là, tu sais. Et, bon, ben dans ce document-là, en route vers l'école, bonjour, je m'appelle, j'irai à telle école, mes principaux intérêts, etc. Là, il y a vraiment une explication de la démarche. Favoriser l'échange entre le centre de la petite enfance et le milieu scolaire. Exact. Bon. À la fin, à la mi-été, je crois, ma conseillère pédagogique, elle va les porter aux directeurs des écoles pour que chaque professeur de 5 ans ainsi que les TES, les orthophonistes, en prennent connaissance pour être mieux accompagner l'enfant quand il va partir du champignon pour arriver à l'école. Le but de l'outil, tracer un portrait global de l'enfant. Donc, à quoi on va s'intéresser? Qu'est-ce qu'on va observer? Puis comment vous allez le faire pour documenter, dans le fond, l'école, la future école de l'enfant? C'est beaucoup au niveau de l'autonomie de l'enfant aussi, de ses acquis de base, exemple, découper, tenir un crayon, compter, mais on ne demande pas de compter jusqu'à 100, là, compter minimum au niveau des habiletés sociales, un peu comme avec Brindamy aussi, s'il est capable de se détendre lors de la sieste, s'il est capable de gérer ses émotions selon son âge aussi. On ne demande pas aux enfants de faire une introspection, mais de se poser des questions, s'il est capable de s'autogérer, exactement. De dire, aussi. Je suis fâchée, oui, exactement. Là, capable toujours de en lien. Avec son émotion, oui. Oui, exactement aussi. Si l'enfant a des problèmes à vivre en groupe, si l'enfant est mieux tout seul, c'est plein de sphères aussi. Affectif, langagier, moteur, intellectuel, c'est tout des points. Oui, je les vois, là, tu sais, mon portrait socio-affectif, plus c'est facile pour moi, avec une étoile avec du soutien, ça demeure un défi. Avec du soutien, je progresse, non observé. Donc, je fais des choix, j'exprime mes choix, j'assume mes choix. Exact. C'est cohérent. Je sais me détendre, je suis sensible aux sentiments des autres, j'exprime mes sentiments. C'est toutes des choses, donc, qu'on doit aussi comme parents. Est-ce que les parents l'ont, ce rapport-là aussi? On remet une copie aux parents quand on fait notre rencontre de 30 minutes. C'est toutes des choses importantes pour les parents aussi, pas juste pour l'école, là. Oui, puis on le dit aussi aux parents, c'est rare qu'on va mettre non observé, puis la majorité, là, il y en a peut-être aussi qui est un petit peu avec du soutien, mais on l'explique aux parents que c'est pas coulé dans le béton aussi, là. Souvent, on fait cette rencontre-là, c'est en mi-avril. Il reste encore du temps au CPE jusqu'à la fin août. L'enfant a amplement le temps de développer cet acquis-là aussi selon où est-ce qu'il est rendu dans son développement lui-même aussi. Fait que tu sais, c'est pas couler dans le béton que l'enfant qui boutonne pas son bouton, rendu au mois d'août, il sera plus capable de boutonner. C'est comme apprendre à faire ses boucles. Exactement. Il y en a qui le savaient avant de rentrer à maternelle, puis il y en a qui l'ont appris à maternelle. Exactement. Hein? Ouais, bien, l'important dans tout ça, c'est le lien de confiance avec le parent. Que nous, au début de l'année, on acquiert avec eux, de nous faire confiance, de nous parler de qu'est-ce qui se passe à la maison, de ses défis, comment il gère ses choses, s'il a bien dormi, mal dormi. Nous, là, tout ça fait que dans une journée, ça peut complètement être différent. Fait que le matin, là, quand tes 10 mois arrivent, il faut que, idéalement, que chaque parent te dise bonjour, il n'a pas bien mangé ce matin, il va avoir faim. Il n'est pas dans son assiette, je ne sais pas qu'est-ce qu'il couvre, ou il est pétant de santé. Aujourd'hui, il faut que le parent prenne. On va pas à la garderie puis dire ciao, bye. C'est parce qu'un enfant qui a mal dormi,
Puis tu t'approches de lui, puis tu dis, c'est vrai, tu sembles fatigué, est-ce que tu as bien dormi? Il te regarde en disant, wow, tu me comprends. Oui. Mm-hmm. C'est là le lien de confiance. C'est là pourquoi que le lien de confiance tout au long de l'année est bien avec notre programme. C'est que si l'enfant a un défi à faire, oui. Puis on est capable de dire aux parents, est-ce que ça vous tenterait de travailler avec moi? Dire, on monte les marches en alternance, une couple de jours. C'est quoi monter les marches en alternance? C'est à gauche, droite sur chaque marche, là. Quand on monte. Un pied après l'autre. Un pied après l'autre, exact. Mais tu sais, le parent, là, qu'on a un beau lien de confiance, oui. là, il ne se sent pas déçu de dire oh, « mon enfant ne le fait pas », il va dire « oh là là, tu sais, je vais mettre mon sac à dos puis je vais travailler avec vous. » Capable de donner des trucs aux parents. Exactement. C'est le travail. Ouais. De là aussi, avec le document qu'on remplit, justement, si on a des choses à travailler plus spécifiquement pour l'entrée à la maternelle, avec une collaboration de parents, ça va aller beaucoup mieux aussi pour l'enfant dans son apprentissage. Exactement. Fait que c'est la même chose hein, quand ils sont à l'école, la conciliation... école-famille, qu'on ouais, dit. Hein, c'est la conciliation CPE-famille est importante. Exactement. Moi, je dépose mon enfant à la garderie. Je dis, bon, ben il a passé une bonne nuit, il a bien mangé ce matin, il est de bonne humeur. Exact. Et là, je reviens à 4 heures et mon enfant est en beau fusil, il n'est pas de bonne humeur, il n'a pas eu une bonne journée. Mais là, c'est à vous autres de me dire que... Pourquoi? Exactement. Ah. Exact. Les enfants gèrent chacun qu'est-ce leur qui s'est passé aujourd'hui? ouais. Les enfants gèrent leur frustration selon où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement aussi. Fait que souvent, ça arrive souvent qu'un enfant ait une mauvaise humeur à la fin de la journée aussi, mais l'enfant, avec tous les différents programmes qu'on a aussi, va avoir les outils pour s'exprimer puis il va pouvoir mieux s'affirmer. Gérer ses émotions. Tantôt, on se parlait bon, vous avez... un bon bagage d'expérience, vous autres, les deux, à vous deux, là, toutes jeunes et plus de 30 ans d'expérience. Vous disiez qu'il y avait une augmentation des troubles de langage chez les tout-petits et que ça pouvait être lié justement au fait que nos enfants, effectivement, c'est un fait avéré, passent de plus en plus de temps devant la télévision ou les tablettes, là. Ouais. Et bon, ben il faut en être conscient comme parents parce que c'est sûr que quand notre jeune est pour rentrer à l'école, surtout que quand il va rentrer à l'école, il n'y en aura pas de tablette pendant la journée, il n'y en aura pas de télé. Il n'y en a pas au CPE non plus. Non, il n'en a pas non plus. Mais comment on peut faire, dans le fond, pour aider notre enfant, là, puis peut-être essayer de contourner les tablettes? Parce que Dieu sait que quand on a une journée dans le corps, hein, c'est... Bien, c'est justement, c'est de responsabiliser les enfants. Au lieu de dire, maman, je peux avoir une tablette, non, viens m'aider. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des patates, des carottes. Alors, va chercher dans le frigidaire, puis donne-les-moi. Mettre la table, oui, parce aider à apporter à 4 trucs. Ans, on est capable on de est mettre grand, les ustensiles. C'est, là, oui. c'est une fierté oui. pour eux. Dire, oui. là, il faut toujours les féliciter, mais toujours parler avec des mots. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, mettons, là, que moi, là, mon jeune, là, il veut pas de patrouille, puis il veut la tablette, puis il veut pas m'aider? Bien, à ce moment-là, tu peux avoir soit des jeux soit de Pat' Patrouille que tu peux emmener avec toi près de dans la cuisine. Tu peux faire sortir des dessins de Pat' Patrouille qui peut dessiner soit sur la table de la cuisine, l'îlot bien à côté de vous. Les livres aussi, c'est important pour le langage aussi. Oui, lire les histoires. Lire les histoires, juste de regarder les mots, de regarder les images. Après ça, de faire un retour avec ton enfant. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as vu? Pour que l'enfant puisse lui-même aussi te raconter sa version de l'histoire aussi. Ça peut déceler beaucoup de choses aussi dans le langage. L'autonomie de l'enfant. Va jouer, ou tu sais, on peut dire, ouais, là, va jouer 5 minutes comme ça. Compte tes doigts 2, 3, 4, 5. Puis ensuite, je vais te mettre un film 5 minutes. On peut faire de l'alternance. Exactement. On peut pas couper du jour au lendemain. Non. Nous aussi, le soir, des fois, on a envie d'écouter la télé. Les enfants aussi. Alors, 5 minutes, 5 minutes. Oui, parce qu'ils sont fatigués de leur journée ils aussi. Ils sont fatigués. Hein? On leur demande... Ils ont spiné toute la journée, là. Ouais. Avec Gazelle, Brin d'Ami, puis Pat le mille-pattes, là, ça l'école 4 ans, puis le programme 4 ans exact. Aussi. Oui, parce que c'est ça, ils sont fatigués de leur journée. Mais, tu sais, c'est une bonne idée, là, ce que tu me disais, l'alternance. Exact. Parce que vous me disiez ça aussi, que les enfants savent jouer tout seul. Découper. Tu sais, découper, des fois, les enfants n'aiment pas ça, découper, mais dans la pâte à modeler, wow! La texture de la pâte à modeler fait un long morceau de pâte à modeler puis un petit. Alors, on vient de toucher à la notion de mathématiques. Ah, l'enfant oui. ne s'est pas rendu compte là, qu'on travaillait avec lui pour le mettre prêt pour l'école. Là. De varier les activités, ça peut être aussi de jouer dans le bain. Nous, on a des bacs à eau au CPE qui nous servent aussi pour jouer plein de choses. Jouer dans l'eau. On peut les sacrer dans le bain pendant 1 heure et demie. L'eau elle va être froide. Puis ils aiment tellement ça, les enfants. Ça n'a pas besoin d'être des grosses activités qui coûtent énormément d'argent. Là, dans le bain, dans la neige, en allant faire l'épicerie, en prenant une marche. Toutes les notions à activité aussi. Là, je vous pose une colle. J'avais dit que je ne vous en poserais pas. Mais moi, je me souviendrai toujours, ma mère était une source inestimable de ressources.
Moi, je me souviens d'avoir eu des cure-dents puis des pois chiches pour construire. Avez-vous déjà fait ça? Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez que les parents ont un peu perdu ces petits trucs-là? T'sais, la pâte à modeler, on faisait ça chez nous, tu sais, puis de la gouache aussi, puis toutes sortes d'affaires, de la slim qu'on appelle, toutes sortes d'affaires de... Hein, tu sais? Puis, mon doux, hein, moi, je me souviens, écoute, à un âge, pour que je m'en souvienne, je l'ai fait longtemps, elle me sacrait une canne de pois chiches puis une boîte de cure-dents, puis je passais l'après-midi. T'sais, est-ce que les parents sont peut-être un peu moins outillés? Mais de là, l'importance de la collaboration avec eux aussi. Parce que vous autres, vous allez leur donner le truc des pois chiches. Exactement. Mais souvent aussi, au niveau de la collaboration, on parle que c'est peut-être juste au niveau de l'académique, mais non, un parent peut se sentir impuissant démunis face à une situation que pour nous, ça va être facile parce qu'on est là-dedans aussi de donner un petit truc d'activité. Qui peut changer toute la dynamique. Hein? Exactement. De là, l'importance de collaborer avec les parents. Puis on est disponible aussi, si les parents veulent nous rencontrer, c'est pas seulement pour le programme 4 ans. Il n'y a pas juste pour ça. Là. Vous rencontrez tous les parents sur une base régulière. Exactement. Exact. La majorité, on les voit soit le matin, soit le soir, des fois aux deux moments aussi. Là. Mm-hmm. C'est facile d'avoir un lien. On a le cahier de communication aussi. Puis les parents peuvent toujours nous rejoindre dans le local, demander un rendez-vous aussi. Le cahier de communication est important parce que les parents peuvent écrire aussi des petits trucs. Tu sais, des fois, on est plus pressé le matin, on veut pas se partir une jasette, on écrit un petit mot, puis exactement. Peux-tu lire dans mon cahier de communication, s'il vous plaît? Puis, exactement. Puis on peut les outiller aussi avec la directrice pédagogique, avec les différentes ressources de la région aussi. On connaît assez notre matière pour... être capable de les amener vers différents... Je comprends donc, tu sais. Tu sais, des fois, c'est facile de dire aussi, bien, écoute, les jeux coûtent tellement cher. Mm. Ça coûte vraiment des sous, c'est vrai, mais la bibliothèque, elle est beaucoup en prête. Ah. Juste des jeux, là, va me chercher trois boules rouges, tu sais, mettre rouge avec rouge, bleu avec bleu. On fait la course avant que ça sonne, tu vas me chercher trois boules rouges, tu sais. Fait que l'enfant, il vient comme super stimulé, là, puis on n'a pas besoin. T'as 30 secondes pour faire ton lit. Si tu le fais dans 30 secondes, t'as 30 secondes de télé. Au niveau du temps, il y a les minuteurs visuels aussi. Ça, c'est important aussi. On utilise beaucoup qu'est-ce qui est visuel avec les enfants, les pictogrammes, les couleurs, beaucoup de variétés. Tout est matière à apprentissage avec n'importe quoi. Arrêtez de dire les jeux de placotte, ça va être tellement le fun pour le langage, mais c'est tellement pas nécessaire parce que, gars, on en parle de plein de choses, on a plein d'idées, puis tu sais, on est là justement pour les aider, les parents ou les grands-parents, à les amener des petits jeux comme ça. Là. Les livres de chansons dans un petit album photo, là, c'est bon pour l'engager, c'est bon pour les signes. J'ai un parent hier, il me disait, wow, bonne idée, hein, tu sais. Bien, parfait, c'est simple à faire puis c'est pas coûteux. Fait qu'avec votre aide, dans le fond, là, je veux dire, n'importe quel parent peut avoir tous les outils nécessaires pour assurer aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, je vous parle, vous avez l'expertise. Moi, oui, j'ai une expertise comme parent. Ça fait longtemps. mais je veux dire, tu sais, des fois, on a trop le nez dessus, hein? On a besoin de peut-être un apport extérieur. Donc, vous êtes là pour, pas juste pour les enfants. Nous, on a le recul face à une situation. Mais, tu sais, nous aussi, on est mères. Puis, des fois, on a trop le nez dedans. On le voit moins. Mais avec les enfants au CPE, on a le recul qu'eux ne le vivent pas à la maison. Fait que c'est plus facile pour nous aussi, peut-être, de donner un truc ou d'outiller un parent dans une situation X. Parce que la vie va vite, hein? Ouais. La vie va vite. On travaille, le souper, les devoirs, le dodo. Mais aussi, les enfants ont beaucoup de cours. Ouais. Le piano, le kinball, la danse le jeudi, le samedi, la guitare. Wow! Eux aussi sont fatigués, les enfants, par exactement. Contre. Tu sais, c'est de prendre du temps, mais en cocooning, de « viens te coller sur maman, je vais te lire un livre ». Tu sais, les petits dodos d'après-midi, la fin de semaine, c'est des moments privilégiés. Hein? Ah oui. Ouais, c'est... Il y en a de moins. Hein? Les enfants, on dirait qu'ils... Ils ont plus de difficultés à se détendre là, tout ce qu'on parlait. Moi, je vais vous dire, le temps avance vite, mais on sait qu'au Québec, la maternelle n'est pas obligatoire, OK? Mais moi, j'aimerais ça qu'on prenne les dernières minutes pour que vous puissiez me convaincre là, que, dans le fond, c'est mieux de continuer avec mon Timos au CPE que de l'envoyer à la maternelle 4 ans. Bien, moi, je confirme, au CPE Champignon, là... Le programme qu'on a, il est fantastique. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que les enfants sont petits. Là, nous, il y a une éducatrice pour 10 enfants. À l'école, prenez conscience que c'est un professeur pour 17 ou 19 enfants. Fait que ça veut dire que l'enfant reçoit deux fois moins d'attention. Exact. Alors, l'ami qui a de la misère à mettre son manteau, là, il va falloir qu'il se débrouille beaucoup plus.
tandis que toi, tu vas l'accompagner on pendant une année supplémentaire exact. Pour privilégier ses acquis. Oui. Puis des fois, c'est au niveau, comme on disait tout à l'heure aussi, le cerveau de l'enfant n'est pas rendu à... La maturité. La maturité n'est pas rendue au même stade d'un enfant à l'autre aussi. Nous, en CPE aussi, avec le programme 4 ans, ça l'aide à développer beaucoup de sphères de développement. On a plus le temps aussi avec chaque enfant. On est outillés beaucoup. On a du matériel comme à l'école. On a des étuis. Pour avoir été au CPE justement l'année dernière pour l'émission Le Père Noël à la garderie, là, hein, on s'était vu là. Oui. Il y en a du stock dans vos locaux. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on est allé dans le temps des fêtes et que chaque local avait son sapin décoré avec des items fabriqués par les enfants. Oui. C'est très important, ça. Mais oui. C'est pas, tu sais, des fois, c'est parce que nous autres, si les enfants veulent pas faire l'école, là, moi j'appelle ça l'école, là, on chante des chansons, Karine est demandée à l'école, puis des fois ils font même la file, mais l'enfant qui veut pas le faire, là, moi c'est déjà arrivé de prendre sa tête puis de le coller en dessous de la table. Puis c'est mort de rire de faire ça sur le dos. Exactement. À l'école, là, ils pourront pas coller ça en dessous de la table pour arriver à donner son travail. C'est ça qui est le fun. Nous, on peut avoir plein de méthodes. Ouais. Puis finalement, on y arrive. Puis l'enfant, il a vu que du feu. Puis nous, on est super contents parce qu'il a livré sa marchandise. On est capable d'amener l'enfant aussi, comme Karine a dit, à faire ses propres choix aussi, de travailler en équipe de deux, de travailler en grand groupe. Si l'enfant a le goût de faire une telle activité avec nous pour le programme, seul à seul, on a le temps pour le faire aussi. On a beaucoup de moyens différents. Moi, là, vous me donnez le goût de laisser mon enfant au CPE jusqu'en secondaire 5. vous avez du temps pour les enfants, puis vous êtes là pour eux. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a des temps de jeu libres. Qu'est-ce que de moins en moins, on dirait que les enfants se désorganisent. On dirait quand qu'on... Parce que là, ils ont pas d'encadrement, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Ça nous permet de les observer. Exactement. Mm-hmm. Dire, oh, sa faiblesse à lui, tu sais, c'est son défi, qu'est-ce qu'il a travaillé, ça va être telle ou telle chose. Oui, fait que là, on prend en note, puis là, on se trouve des moyens après pour que demain, on dise, oh là là, tu sais... Nous aussi, on a de la planification à faire. On a du temps par semaine aussi qu'on peut consacrer à tout ça. Fait qu'on a beaucoup de méthodes, beaucoup d'expériences. Aussi, juste en parlant avec une collègue, on voit pas telle affaire, l'autre le voit. Fait que... planification, c'est sur les intérêts de l'enfant. Les goûts et intérêts. Alors, on n'arriverait pas avec le thème pirate quand il n'y a pas un ami qui aime les pirates. Tu sais, il y a 3-4 amis. Là, vous êtes dans la période pas de patrouille, là. On le sait. Oui, effectivement. Ouais. Fait que c'est le CPE, c'est vraiment personnalisé puis très, voilà. très à l'écoute de l'enfant. Ouais. Ça, c'est l'enfant. Important. Ouais. Bien, écoutez, Karine et Karine, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup. Je sens la passion qui vous anime quand vous parlez des enfants. Et puis, je pense que, bien, c'est sûr que moi, ça va peut-être plus être mon petit-fils ou ma petite-fille qui va aller vous voir, mais j'aimerais beaucoup qu'elle ou elle ait la chance de vous rencontrer. Ah, mais c'est certainement. Très gentil. Alors là-dessus, on se quitte, mesdames et messieurs, et on sera de retour la semaine prochaine pour une autre émission Zoom Appalaches.